19h45, la Barry Info soir. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 26 octobre 2022. Cérémonie de lancement ce mercredi au palais de congrès de la deuxième édition de la semaine de l'habitat et du patrimoine, placée sous le haut patronage du ministre de l'urbanisme et du logement. Cette deuxième session porte sur le thème planification urbaine et habitat durable. Ariata Sala, Alidou Brema. Organisée dans le cadre d'Octobre urbain, cette deuxième édition de la semaine de l'habitat et du patrimoine mobilise du 26 au 28 octobre les acteurs pluridisciplinaires autour d'un important programme d'activités de réflexion diverses sur les défis et les opportunités de la défense des droits humains liés à l'habitat et à la protection de l'environnement. Le choix du thème « Planification urbaine et habitat durable » nous interpelle à plus d'un titre. Quand nous savons que les villes du Niger connaissent une croissance importante et les tendances actuelles laissent croire que près de 50% de la population sera urbaine d'ici l'horizon 2030. Face à ces défis de la croissance accélérée de nos villes et au changement climatique, nos pays ont besoin de nouvelles formes de gouvernance urbaine et de citoyenneté adaptées à la maîtrise du phénomène d'urbanisation afin de créer des environnements urbains sains, sécurisés, inclusif et durable. Présent à cette cérémonie, le président du conseil de ville de Niamey a remercié et félicité les organisateurs de cette deuxième édition de la semaine de l'habitat qui leur donne l'opportunité de discuter sur une thématique chère au conseil de ville de Niamey. La planification urbaine et l'habitat durable cadrent parfaitement avec l'option prise par le conseil de ville de Niamey. Et celle-ci, nous l'avons déclinée dans le document cadre politique de développement de la ville de Niamey, puis traduite dans un plan quinquennal. L'expansion vertigineuse de la ville de Niamey, observée actuellement et qui s'explique par ailleurs par le flux migratoire et l'accroissement démographique, a suscité auprès des autorités locales que nous incarnons que nous nous appesantissions sur les mesures idoines à prendre pour anticiper sur l'avenir. À l'ensemble des travaux de cette semaine, le ministre de l'Urbanisme et du Logement a présenté quelques actions menées pour assurer un développement des centres urbains. Permettez-moi de saisir l'occasion de la semaine de l'habitat et du patrimoine 2022 pour vous présenter ainsi qu'au public nigérien quelques-unes des multiples actions menées en cours ou en perspective en vue d'assurer un développement urbain de nos centres urbains. Il s'agit entre autres, en matière d'urbanisme, la promulgation de la loi 2017-20 du 12 avril 2017 fixant les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement urbain et ses textes d'application. Texte dont l'article 4 fait obligation aux agglomérations chefs-lieux de région, de département, de commune et celles ayant 4000 habitants au moins et qui occupent un espace bâti de façon continue et manifeste de disposer de documents de planification urbaine. La mise en place des organes consultatifs en matière d'urbanisme et d'habitat, la validation du document de la politique nationale du développement urbain le 6 et 7 septembre 2022, la réalisation ou réactualisation des outils de planification urbaine. La visite des stands des différents organisateurs de cette édition a constitué la dernière étape de ce lancement. Le consortium des organisations qui œuvrent pour le retour de la paix a tenu une conférence dans la ville de Tillabéri à travers l'une de ses initiatives dénommée Matassa Guindé. C'était dans le cadre du projet On est ensemble, financé par l'USAID. La conférence a vu la participation du gouverneur de la région et quelques maires de la commune concernée par le projet. Boubacar Ibrahim, Ibrahim Abdou. Il s'agit pour le consortium Search for Common Ground, comme dev et l'ONG Berendi, à travers l'initiative Matassa Guindé, de renforcer la résilience des jeunes de la région de Tillabéri face à l'extrémisme violent, en leur faisant partager leur histoire en vue de les amener à se dépasser et à surmonter les difficultés. L'initiative du dit consortium qui jure l'accompagnement financier de l'USAID rentre toujours dans le cadre du projet On est ensemble dans la mise en œuvre de sa deuxième phase.
Après donc les mots de bienvenue du maire de la ville de Tillabéri, répondant au nom du consortium, lui n'a pas manqué de revenir sur les principaux objectifs d'une telle initiative. La conférence Matassa Gindey rentre dans le cadre du projet On est ensemble, financé par USAID, mis en œuvre par un consortium. L'objectif global de ce projet vise à renforcer la résilience des jeunes à l'extrémisme violent et à promouvoir la stabilité à long terme dans la région de Tillabéri. Cette conférence réunit aujourd'hui les jeunes leaders des 7 communes. Ces jeunes leaders ont bénéficié d'un processus de renforcement des capacités qui leur a permis non seulement d'acquérir des compétences sur le plan du vivre ensemble et du savoir-faire, mais aussi le plan de leur propre autonomisation économique. Se montrant beaucoup plus impliqué, le gouverneur de la région de Tillabéri a dans son allocution félicité les organisations portant les 10 projets. Je constate qu'il y a beaucoup d'organisations des jeunes qui interviennent pour la paix. C'est l'avenir du pays appartient à vous. Tout ce que vous voyez avec barre blanche, souvent avec monnaie ici, on ne laisse pas beaucoup de temps. Le pays vous appartient. Le pays c'est pour vous et vous devrez vous investir. Je vous encourage à vous battre pour la paix. Je vous encourage à continuer à sensibiliser les jeunes contre ce phénomène. C'est notre devoir en tant qu'autorité d'appeler les jeunes à rester dans une situation stable, à lutter pour la paix. Je vous encourage également à être plus proche de la réalité. Mise en œuvre pour durer 6 mois, ce projet qui a pour zone d'intervention cette commune de la région de Tillabéri vise comme intérêt militer pour la culture de la paix en incitant la jeunesse à la cultiver. Des témoignages assez émouvants de jeunes qui se sont montrés déjà résilients et qui n'ont pas passé inaperçus ont été présentés à cette conférence. Inauguration cet après-midi dans le village de Bongou Kware, 6 à une vingtaine de kilomètres de la capitale, d'une mosquée financée par la société Al-Ouad. Cette société dotée le dit village de la commune rurale de Karma de plusieurs infrastructures. Le point avec Adamou Soumana et Sadou Doumi. Deux classes en matériaux définitifs, une mosquée, des sanitaires et une borne fontaine, c'est la nature du don offert par l'ONG Al-Ouad Seri Contracting au village de Bongou Kware, ici dans la commune rurale de Karma. Une donation dont la réception est marquée par l'inauguration de la mosquée en présence de la communauté bénéficiaire, dont l'un des représentants n'a pas caché sa joie pour cette action. Nous remercions tous ceux qui sont venus, qui ont répondu à l'appel. Nous formulons aussi notre gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à la construction de ces infrastructures qui sont les bienvenues, car l'école en a sérieusement besoin. Vous avez constaté que nous avons deux vieilles classes qui ne sont pas de nature à être opérationnelles dans l'école. Et Dieu merci, nous avons à notre disposition deux classes bien construites et je pense qu'elles seront aussi équipées. Donc Dieu merci, il y a également la mosquée qui va certainement servir à la prière au moins de Al-Asr, qui va aussi intégrer la pratique quotidienne de la religion. Pour l'ONG Al-Ouad, il s'agit là d'un moment de réconfort et de reconnaissance à l'endroit de ceux qui les accompagnent dans leurs actions humanitaires. C'est un jour solennel pour nous, un jour de joie et de fierté. Nous avons par la grâce de Dieu pu inaugurer ces deux joyaux. Une mosquée de 100 mètres carrés et deux classes de 90 mètres carrés qui ont été financées par Silsila Ruad de l'Arabie Saoudite basée à Riyad. C'est l'occasion pour nous de manifester notre joie et notre fierté et toute notre gratitude à l'endroit des bailleurs pour dire que nous les remercions et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils mettent cela dans leur misan et qu'ils s'assoient dans leur hasanat. Et nous profitons aussi pour remercier toute l'équipe, en l'occurrence M. Cheikh Mustapha, pour tout ce qu'il a déployé pour l'aboutissement de ce projet. Les gens de ce village remercient vivement, n'est-ce pas, cette société pour tous les efforts qu'ils sont en train de déployer pour leur assistance du point de vue humanitaire, social et religieuse. Avec ce don de l'ONG Al-Ouad, c'est non seulement la mise à la disposition des scolaires de ce village d'un cadre adéquat d'apprentissage
et d'un lieu de culte digne de ce nom pour l'ensemble de la communauté musulmane du village et ses alentours. Place à présent à notre rubrique hebdomadaire, la chronique juridique qui traite du thème cette semaine, le prêt, par Maître Alfred Goubagé, juriste et président de Raza Press. Très bonne réception à vous. Le prêt est, si vous voulez, un contrat qui est beaucoup utilisé dans la société pour permettre aux uns et aux autres de disposer ou bien de jouir des choses d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une action qui est prévue par, ou bien c'est un contrat qui est prévu par le Code civil. À ce sens, le prêt est défini comme un contrat par lequel l'une des parties, le prêteur, met à la disposition de l'autre, l'emprunteur, une chose pour son usage à charge de restitution. Donc le prêt, c'est ce contrat par lequel une personne met à la disposition de l'autre un bien à charge pour la dernière de restituer la chose. C'est le contrat de prêt. Au terme de l'article 1875 du Code civil, le prêt à usage ou commoda est un prêt ou bien est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. Donc, nous sommes en face ici d'un contrat dans lequel une personne qui est l'emprunteur prend un bien qui ne lui appartient pas logiquement pour un usage auprès du propriétaire qui est le prêteur, à charge pour l'emprunteur de restituer la chose après usage. Donc, dans ce contrat, nous voyons quelques attributs du droit de la propriété qui ressortent. Dans le droit de la propriété, ou bien quand vous avez le droit de la propriété, vous avez le droit de jouir d'une chose, d'abuser de cette chose ou l'aliéner, et vous avez le droit, si vous voulez, de la détruire tel que vous le voulez. Mais quand vous prêtez, ou bien quand vous empruntez une chose, vous n'avez pas tous ces droits. Parce que le bien n'étant pas votre propriété, là, vous n'avez que le droit de jouissance à ce niveau. Vous n'avez pas le droit d'aliéner la chose, de la détruire ou de la vendre, parce que la chose n'est pas votre propriété. Mais plutôt, vous avez que le droit de jouir de la chose. Donc, c'est en sens que le contrat de prêt est un contrat complexe au niveau des parties. Donc, quels sont les droits de l'emprunteur et ses obligations, et quels sont les droits et les obligations du prêteur? Chacune des parties et l'emprunteur et le prêteur ont tous des droits et des obligations dans le cadre du contrat de prêt. Alors, s'agissant de l'emprunteur, là, il y a deux points qu'il faut préciser. Premièrement, c'est que l'emprunteur a le droit d'user de la chose telle que nous l'avons dit tout à l'heure, et il a également le droit au remboursement des dépenses. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous empruntez un bien quelconque, prenons l'exemple d'un véhicule. Quand vous empruntez un véhicule pour vous en servir, eh bien, vous êtes, ou bien vous avez le droit d'user de ce véhicule, de l'utiliser pour les besoins pour lesquels vous avez prêté ce véhicule. Ça, c'est un droit qui vous est reconnu de par les textes. Ça, c'est votre droit. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous utilisez des ressources pour entretenir ce bien? Il peut y avoir des cas où, pendant que vous utilisez ce bien, eh bien, d'autres réparations nécessaires et urgentes interviennent. Donc, à ce niveau, la loi précise que, et c'est précisément l'article 1890 du Code civil qui dispose que l'emprunteur, donc la personne qui a prêté le bien, a le droit de se faire rembourser les dépenses extraordinaires
nécessaire et urgente faite pour la conservation de la chose. Par exemple, l'achat d'une pièce de rechange. Donc, une fois que vous utilisez les... Peut-être que le bien, il est en train de se gâter, ou bien il y a en tout cas un danger qu'encourt le bien, et que vous, vous avez engagé des ressources pour entretenir, pour sauver ce bien, eh bien, le prêteur a l'obligation de vous faire rembourser les dépenses que... Bon, quand on regarde un peu en dehors de la loi, de la pratique quotidienne, ça ne passe pas. Comment vous allez prêter mon bien, et puis après vous me demandez, parce que vous avez réparé le bien, vous me demandez de vous faire rembourser. Dans la pratique habituelle, ça ne passe pas. Mais juridiquement, quand vous engagez des ressources, eh bien, l'emprunteur, le prêteur est censé vous payer les frais que vous avez engagés pour la conservation de la chose. Je suis sûr, M. Hassan, si j'emprunte votre moto ou bien votre voiture et que je l'utilise, après, je viens vous dire, Monsieur Hassan, j'ai réparé telle chose ou bien j'ai fait telle chose. Logiquement, vous allez, mais lui, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Moi, je vous donne mon bien. Donc, naturellement, dans la société, ce sont ces conceptions. Mais juridiquement, quand vous engagez des ressources, le prêteur est censé vous rembourser les frais. Mais attention, je ne suis pas en train de parler de puisque il y a aussi un point très important qui est celui de la responsabilité. En droit, dans le code civil, je crois que c'est l'article 1382 qui traite du régime de la responsabilité. Il dit tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige la personne par le biais duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1382, je pense, du code civil. Donc, en ce sens, si en utilisant ce bien, vous causez un tort ou vous abîmez le bien, vous êtes tenu de réparer le préjudice que vous avez causé. Mais ici, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, ce n'est pas votre responsabilité à vous. C'est des actions que vous avez engagées pour sauver justement ce bien, pour la conservation de ce bien. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Si c'est vous qui êtes... Par exemple, vous avez un accident de circulation. Ben c'est vrai, il y a la question de l'assurance. Ou bien en roulant, vous avez cogné l'engin contre quelque chose, il y a eu quelques problèmes. Vous êtes tenu de les réparer. Ça, c'est différent du fait que vous avez constaté un danger imminent qui était déjà sur le véhicule ou bien sur l'objet prêté que vous avez réparé. Donc, en ce sens, vous avez le droit d'être remboursé par le prêteur de la chose qui demeure le titulaire des droits de propriété. Maintenant, quelles sont les obligations de l'emprunteur cette fois-ci? L'emprunteur a l'obligation de conserver et de restituer la chose et engage sa responsabilité. S'agissant de l'obligation de restitution de la chose, puisque nous avons dit que vous êtes propriétaire et que le droit de propriété appartient au prêteur, donc logiquement, après avoir fini d'utiliser la chose, vous êtes tenu de restituer la chose empruntée au légitime propriétaire. Donc, l'emprunteur a d'une part l'obligation de restitution de la chose empruntée. Il y a également la question de sa responsabilité. Donc, l'emprunteur engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du prêteur et sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers. Si vous avez convenu d'un délai, un délai de restitution, par exemple, vous avez prêté le véhicule pour une semaine. À terme échu, vous êtes tenu de restituer la chose pendant cette période. Si vous ne le faites pas, vous pouvez engager votre responsabilité contractuelle à l'égard du prêteur. Parce que peut-être ce retard peut lui causer un préjudice. Ouais. Donc vous engagez votre responsabilité. Tout comme vous pouvez engager votre responsabilité délictuelle à l'égard des tiers. Si dans l'utilisation de ce bien, eh bien vous commettez un dommage au tiers. Donc là, vous êtes tenu de réparer le préjudice que vous avez commis au tiers par l'usage de ce bien. Donc, vous voyez que d'une part et d'autre, chacun a des droits et des obligations. Quand vous empruntez une chose pour votre usage, vous n'êtes pas propriétaire de la chose, mais vous avez le droit d'user de la chose. Dans l'usage de la chose, vous êtes obligé à la fin de l'usage
de restituer la chose. Si vous avez engagé des ressources, l'emprunteur ou bien le prêteur est censé vous rembourser les frais engagés. Si vous commettez des dommages au tiers, vous engagez votre responsabilité délictuelle à l'égard des tiers, en sens vous êtes tenu de réparer, puisque la loi dit tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige la personne par le biais duquel il est arrivé à le réparer. C'est le principe de la responsabilité. Voilà ce que je peux vous dire sur le contrat de prêt. Je vous remercie.